Hello la compagnie, c'est Lovepiss et on se retrouve de nouveau sur Endless Legend et pour moi à la suite parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter sur ce jeu. On ne s'en lasse pas, ses musiques magnifiques, ses artworks magnifiques. Pff, tant d'éloges qu'on peut faire à ce studio qui nous pond que des merveilles jusqu'à aujourd'hui. Trois jeux, trois grandes réussites. C'est un véritable plaisir. Donc on a une armée ici qui est en train de se diriger on ne sait où. Donc, ce qu'on va s'empresser de faire, c'est de les attaquer. Et je pense que on va faire un auto, en espérant que... ouais, elle a pris des dégâts. Donc l'auto, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle, avec une équipe comme celle-ci. Tour 27, je n'avais pas cliqué donc sur fin de tour. Donc c'est ce que nous allons nous empresser de faire. Allez, petite avancée... Donc toi, il te reste encore un tour. Les autres, là, ils sont où? Ici. Et vous, vous avez une destination programmée également. Donc là, je vais repasser vite fait en partie, voilà. On a fini la fonderie. On commence la librairie publique. Les tours devraient être largement réduits. Étant donné qu'en ayant fait voilà, la fonderie, on passe à 60 de fabrication. Du coup, on n'a plus qu'un tour et demi pour les unités. Et deux tours pour ce truc là. Donc c'est vraiment énorme. Du coup ben, on va faire fin de tour étant donné que... Oh l'hiver est arrivé. Donc voilà, la saison est changée pour l'hiver. Rendant la vie et les mouvements plus difficiles. Donc on a 50% de mouvements en moins. Donc de 6 on passe à 3 avec l'autre. Moins 1 de nourriture, moins 1 de brume, ça c'est moins bien. Moins 1 de portée de vision, expansion moins 1 et district moins 1 sur la vision. Par contre, multiplication de 2, des affinités stratégiques, des affinités avec les ressources stratégiques qui ont des modificateurs de pour l'hiver. D'accord. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc on va avancer donc entre 1 et 12 tours pour l'hiver. Donc 12 tours maximum. Et s'il faut, au tour suivant, on pourrait très bien repasser... En été, hop, attendez, parce que je suis perdue, ça commence à devenir grand. Donc là, il reste qu'un tour, ben, on continue, fin de tour. Voilà, ici, on a terminé. Ah, il restait quand même encore une construction. Ah oui, les rues, exact. Ben, écoutez, on va laisser ça en construction en attendant. Ok, donc ce qu'on vient de faire, merci, je viens de le perdre, je ne me souviens plus. Ici, normalement, là, ça nous met... non, ça ne le met pas. D'accord, ça, c'est juste pour l'agrandir. Ah, génial! Oh, c'est génial, ça! Voilà, comme ça, au moins, on se prend pas la tête. Ok. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est pour les spécialisés, exact. D'accord. Très bien. Bah, continue à avancer, on va faire comme ça histoire de voir tout le monde. Donc eux ils avancent difficilement. Forcément ils ont plus normalement que deux... Ouais. Deux cases d'avancée. Donc on va continuer par ici. Et puis fin de tour. Voilà, entre 1 et 10 tours encore. Oui, ça doit être les ruines qu'on doit explorer avec un héros niveau 4, je pense. Très bien. Alors. Ça, c'était... Mais voilà, mais donc quand c'est exploré, il n'y a plus de... plus rien. Donc il y en a bien que j'ai pas dû explorer. Je sais plus où elles sont, du coup. De toute façon, on les voit ici. Hein. Quand elles sont pas explorées, elles sont toujours en jaune. Ce qui est assez étrange, parce qu'il me semble en avoir exploré pas mal ici. Ah ben non, je les avais pas faites en fait. C'est celle-là que j'avais faite. Bon bref, c'est pas grave. Ici, on a aussi des ruines. Mais je les ai faites, celles-là. Attends, cocotte. En attendant, vas-y. De toute façon, toi, tu peux te le permettre. Avancer des unités et ben, fin de tour, encore une fois. Parce qu'on ne peut rien faire. En plus... Oh, zut! Zut, 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 petit plantage, je reviens.
Et me revoilà. Donc, à quel tour on en est là? 32. Du coup, quand ça a planté, je ne sais plus à quel tour on en était, mais de toute façon, on n'était pas loin. Voilà, ici, on peut faire notre recherche. 62 brumes. Cool! Oui, donc effectivement, je n'avais pas exploré ces ruines-là. Donc, il m'en reste une ici, qu'on va aller s'empresser d'aller découvrir. Attends. Ici. Ah, les Wild Walkers, qu'on a découvert. Et qui sont ici. D'accord. Ah du coup, ouais, on les a vus, mais on les avait pas encore découverts. Ok, et donc on va les retrouver. Oh, j'avais pas vu. Oh, c'est le marketplace, ça. Je pensais que c'était pas encore implémenté, ce truc-là. D'accord. Bon. Par contre, il va falloir penser à faire de la production de brume, là. Je peux pas dire, mais on est un petit peu à la dèche. Au niveau des recherches, on n'a rien. Ah si, il y a celle-là qu'on n'avait pas prise. On va faire ça. Hop. Hop. Alors, avancer des unités. Donc, c'est la deuxième unité qui est là-bas. Avec des ennemis droit devant. Et qui me font un peu peur. Donc, on va essayer de fuir tout ça. Mais je pense que ça ne va point être possible. Non, si c'est bon, il se barre. Enfin, du moins, il y en a un qui se barre. Attends, minimiser. Minimiser. D'accord, donc eux m'attaquent. Ça, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc j'ai une déclaration de guerre. Très bien. Très bien, très bien. Donc de Cold War, on passe à War. Ça, voilà, donc l'été est revenu. Ça, c'est une assez bonne nouvelle. L'hiver n'aura pas duré longtemps. Et on est tranquille pendant au moins 27 tours. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Nous avons fini la recherche sur l'architecture qu'on lancera après la confection des armées. Parce que de toute façon, nous allons avoir une guerre à mener. Et là, on va passer sur la recherche de l'argent. Et toi, du coup, tu vas me faire une petite armée bien sympathique qui va prendre un tour par unité. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, et du coup... Ah, mais attends. Ah, mais c'est eux qui m'attaquent! Et pourquoi eux ont deux armées en prévision? Il faut pas être juste à côté? Elle est où l'autre armée? Ah, mais vous êtes pas sérieux! Alors attends, avec qui on est en guerre là? Donc en guerre avec eux, mais eux on n'est pas en guerre! On est en guerre froide! Alors est-ce qu'on peut. Voilà. Donc je peux dépenser 5 points. Non, alors là, t'oublies. Il y a un truc que je veux absolument faire. Ici, c'était absorber eux là. Qui me donnait quand même de la population et tout. Donc on va faire ça de suite. Donc on peut assimiler une faction avec 30 points. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, absorber. Et donc du coup, ça me donne plus 5% de brume dans la cité et par village pacifique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi qui cherchais à avoir des sous, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, nickel. Ça, c'est nickel. Et des villages, du coup, on n'en a que deux. Enemy City, du coup, est-ce que je vais pouvoir aller là? Non, vu que vous m'attaquez, je ne peux pas y aller. Eh bien, écoutez, ok, on y va. Sauf que le problème, c'est que vous aussi, vous êtes à distance. Non? Non, il n'y a pas l'air. Alors, on va les laisser approcher. Je ne peux pas aller en arrière. Je ne peux pas aller plus en arrière et je n'ai que ces deux unités. D'accord. Et bon, on va rester là, tout simplement. Hein. Hop. Alors, moi, je veux voir si vous êtes à distance. Je comprends pas les armes que vous portez. Ah, c'est des arbalètes, ok. Ça, c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Cependant, j'ai vachement plus de vie qu'eux, donc plus d'attaque aussi, je pense. En attaque, c'est pareil sur lui, par contre, elle a 30 d'attaque, c'est quand même pas mal. Donc, pour le coup, on va garder nos positions. Enfin, on va se mettre en défense plutôt. Voilà, défense, et on va voir ce que ça va donner. Ah, bah, elle avance quand même. Bon!
3 points. Est-ce que c'est la vision qui fait ou... ouais, ça fait quand même un petit peu mal là sur le coup. Aïe. Ok, ils sont en garde aussi. Ça me plaît pas beaucoup que vous avanciez en fait. J'aimerais mieux les laisser venir. Ah, en plus, elles font super mal ceux-là là. Ah, elle va me les tuer quoi. Aïe 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 aïe. Et en plus de ça, je me suis pris un malus dans la tête. J'ai bien peur. Est-ce que je peux me déplacer là où j'étais? Voilà, et toi tu vas revenir aussi à ta place. Lancer. Pourquoi vous avancez? Ah, parce que j'aurais dû changer là. Bon ben eux sont morts, ben je crois que j'ai perdu là. C'est... Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ils ont rien pris en dégâts sérieux. Non, je pense qu'elle va me toucher en plus de là. Oui. Oh, c'est pas bon ça. J'ai envie de faire un truc qui est pas bien, c'est recharger. Non, c'est complètement un petit jeu, c'est pas cool. Bon, bah, lancer. De toute façon. Ah, ça met tout le temps en garde quoi. 33! Oh mon dieu! Oh, c'est dommage. Il me reste que 9 points de vie, elle va me le tuer, mais. C'est dommage, j'aurais eu la visibilité tout à l'heure. Les déplacements sont assez bizarres. J'ai pas encore très bien tout compris sur comment ça marchait. Donc, toi. Tu as. Ah, oh, désactivé pour 20 tours! Ouah, maman! Mais pourquoi c'était pas. C'était pas activé ça? Ah, parce que je les ai pas, ok, d'accord. Ok, j'ai trouvé du coup, c'est là. D'accord. Parce qu'on aura. Quand on aura Mila Foreuse. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Académie. On peut pas les soigner ou. 150. Oh putain, ça fait cher. Ah, j'ai quand même bien envie, là. On est en guerre, tant pis. On verra bien. On verra ce que ça donne. Donc ici... Non, toi. D'accord. On va attendre qu'il finisse son... Son truc. Vous. Vous pouvez continuer d'avancer. Normalement, ils attaquent pas. Nickel. Ici, on a des ruines. On va rechercher de suite. Et on va continuer à se barrer. Voilà. Fin de tour. Donc vous vous approchez, j'aime pas trop ça. Et vous venez m'attaquer. Donc ici, j'ai très peu de chances de gagner, mais... on va quand même essayer. On va quand même essayer. Oh là là, ouais, bah, sinon les héros... Ah, j'ai pas du tout l'avantage du terrain en plus. Mais alors, ce qui s'appelle pas du tout. Au niveau des équipements, toi t'es avec quoi? Une épée, corps à corps. Ah, c'est con qu'on puisse pas tourner, on peut vraiment pas tourner? Non. D'accord, donc c'est des nécrophages. On voit pas les points de vie, donc on va mettre prêt. Ici, on va garder nos positions. Ils sont déjà bien amochés. Là, il faudrait pouvoir tuer le héros en premier. Le problème, c'est que si je fais ça, est-ce qu'ils vont vraiment garder leur position? Ça, c'est un truc risqué. On va essayer ça sur le champ. D'accord, ils viennent m'encercler. Et eux, ils sont full vie. C'est tout ? 5 points de dégâts, c'est tout ? Ah, là, je vais avoir mal. Ah ouais, one shot, quoi. Je comprends pourquoi j'avais aucune chance.
Ah non, il m'en reste un petit peu. Donc, vous... Non, vous allez tirer sur ça, histoire d'essayer de leur faire un petit peu de dégâts, j'espère. Même si ça tue pas le héros, tant pis. 29! Mais vous êtes pas sérieux! C'est quoi cette armée de fous? Ah, puis en plus ils ont une initiative, donc je peux même pas les attaquer en premier. Et genre, t'attaques deux fois comme ça, tranquille. Oh là là, je me suis fait disséminer, mais quelque chose de bien, quoi. Oh là là. D'accord. Ben. Oh, c'est la nuit. C'est tout sombre. C'est joli. Avec la petite musique tranquille et tout. Bon, forcément, j'ai perdu toutes mes unités. Ok, donc le reste, c'est... parce que j'ai fait un truc à moi propre, donc c'est pas encore bien géré. Donc j'ai fait mon Settlers, pardon, je sais pas pourquoi je dis toujours Settlers, c'est ça que je dis. Et on va l'amener, ici on a quoi? Les Silic. Je me rappelle plus qui donne quoi. Je ne me souviens plus. Bah, de toute façon, j'avais une quête, je crois. Coldramor, les Hérissis, c'était ici. D'accord. Donc, il faut que je fasse mon... Ah ouais, bah, ça tombe bien, parce que comme ça, je veux niquer cela, là. Alors, est-ce qu'il y a des ressources, au moins, ici? Non. Si, là. Mais, ouais. Le terrain est franchement pas génial ici. Et au niveau des ressources, on peut faire que de la brume et... excusez-moi, de la brume et de l'argent. On peut éventuellement faire ici. Ce que je pense nous allons faire parce que ça va être un petit peu chaud ici. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de ressources à part là, mais c'est vraiment trop près quoi. Pour rien gagner, c'est dommage. Du coup... pas le faire tant qu'on est ici. Ici. Non, ici. C'est une armée où on va mettre notre héros de départ. Hop. Voilà. Donc là, normalement, on a ceci. Là, on va attendre que l'armée se fasse et puis on va pas bouger, en fait, parce que vu... Eh, c'est joli, on en a pas mal découvert, là. Ok. Et ça, c'est la ville. D'accord, donc le centre de la ville. Et ici, ils ont un extracteur que nous allons construire bientôt. D'accord, allez, fin de tour. Non, ici, on a quoi? Ah, j'ai pris un niveau. Un niveau... Ah, forêt... Oh, punaise, plus 5 dans la cité. Alors, je le prends rien que au moins pour avoir ça, quoi. Alors, attends. Non. Avec forêt. Est-ce qu'on a des forêts? J'ai pas l'impression qu'on ait des forêts. Non. Non, j'ai pas l'impression. Montaigne. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une anomalie. Mais c'est une bonne anomalie ici. Ah, si. Mountain Forest. Oui, avec mon superbe accent anglais, toujours. Deux trucs de forêt, trois. Donc éventuellement, j'en ai trois. Dans la ville, il me dit que je suis à 56. 56, donc si... Toi... Je t'augmente ça. 65, ça marche. Donc c'était bien des forêts qui sont prises en compte. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Hop, ça c'est bon, ça y reste 4 tours, et ici de toute façon c'est... Oui, il faut plus cliquer, voilà, un tour. Allez, tour suivant. J'espère qu'on va y aller, arriver à avoir une armée assez vite. Hop, donc là normalement j'ai mes archers, que je vais aller fusionner avec la première armée la plus proche normalement. Voilà. On va faire ça pour faire avancer cela.
qui vont nous faire leur cité ici. Bon, ici, pour avoir la recherche et tout, c'est le plus avantageux. Et après, ici, ils sont pas contents. On va leur mettre les égouts. Putain, 10 tours. 10 tours, ça promet. Ici. Pourquoi tu me montres ceci? Ah, je peux les assimiler, d'accord. Sauf que... Voilà, je n'ai pas encore les points. Mais est-ce que je peux en assimiler plusieurs? Parce que là, je peux le faire qu'en cliquant dessus, donc je ne sais pas. Ici, je pourrais mettre un extracteur d'épices. Ça, c'est pour assimiler. C'est vachement bien là ce qu'ils ont mis là, les petites bulles comme ça. On les voit jusqu'à quel niveau de zoom? Comme ça. D'accord. C'est très 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 sympa ça. Au moins on sait ce qu'on peut faire sur notre carte. Bon, maintenant je les vois plus, voilà. Bon, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est en cliquant sur la ville en fait. Très bien. On va pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas assez de ressources, donc, bah, fin de tour, parce qu'on peut rien faire, de toute façon, tant qu'on n'a pas une armée pour bouger un petit peu. Qui est-ce qui bouge, là? J'entends bouger. Mais qui bouge, je ne sais pas. Toi, hop. Tu vas fusionner là-bas. Merci. Mon héros est quel niveau? Niveau 3. Il me manque encore un niveau pour aller faire ma quête des ruines, là. Donc ici, c'est bon. Fin de tour. Voilà, donc recherche terminée. Et on a... ces ardoires sont magnifiques. On a débloqué l'ère 2, l'âge de gloire. Donc, le tiers 2 armure et armes sont... Ah, sont disponibles pour le héros et les unités. De nouvelles unités sont disponibles et seront maintenant vétérans, c'est-à-dire niveau 2, et plus chères. Ah, cool! On peut faire des tours de guet maintenant et empire plein level 2. C'est quoi ça? Alors, science, ça doit être ici. Ah, on peut faire des traités de paix ici. C'est plutôt pas mal. Putain, c'est dommage, c'est de l'infanterie, là, la nouvelle unité. Non, sur quoi j'ai cliqué? Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué précédemment. Military Marketplace. C'est quoi ça, mercenaire? Ah, ça doit être là, on peut acheter des unités carrément. Oh là 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 là, stratégique, luxueuse, pardon, pas luxure, ça n'a rien à voir. Les stockpiles, ça c'est pour... Ah oui, d'ailleurs, attends, est-ce que j'en ai pas? Non, j'en ai pas. Les trucs qu'on peut utiliser pour augmenter la bouffe ou des bonus par tour, pendant un nombre de tours limité, ça doit être pour les unités. Oh là là! Oh là 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 là! D'accord, donc ça, d'accord, c'est pour les unités. Ici, on a... Oh! Hop! Ça va nous permettre d'avoir deux unités de plus, donc des armées de 6 personnes et des garnisons de... De 2 de plus, donc de 6 aussi. Ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on ne peut stocker que 4 unités dans les hangars, on va dire. Dans les hangars, c'est dans Endless Space, mais là, ce sont les garnisons. Hop. Ok. Hop. Donc là, on pourra en mettre 6. Et là aussi, on pourra faire 6 unités. J'ai bien envie de retenter un petit combat. Mais avant ça... Peut-être pas faire un combat tout de suite. Ce qu'on va faire. je ne sais plus. Ici, on est.
D'accord. Donc ici, ça a été détruit, exact. Je ne sais pas du coup si les assimilés va faire quelque chose. De toute façon, j'ai pas encore les points. Ce qui, je pense aussi, 76, on est à un tour de tour. Ah non, c'est trop. J'aimerais bien avoir un... Oh, tant pis pour la deuxième armée, elle attendra un petit peu. Alors, je ne sais pas où je vais aller. On va peut-être retenter par là, voir ce qu'il en est. Ah bah tiens, elles sont là en plus. D'accord. Ça pue! Ça pue énormément. Il me faut 6 tours encore. Ah, oh, cool, on a pris 2 tours d'un coup, là. Ah, je sais pas où elles sont parties. Elles sont là. On peut faire qu'attaquer, de toute façon. Alors, on a 2 archers. On a 3 archers, d'accord. Ah zut, avant de lancer, je voulais voir le... Bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut le voir d'ici. Éditer. Ok, on a les arcs tier 2 maintenant. Très bien. Alors. Cette fois, j'ai l'avantage du terrain. Et par contre, vous, il ne faut absolument pas que vous bougiez. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Sensible, on va voir. J'espère que... Je fais pas de bêtises, mais je comprends pas très bien comment ça fonctionne, en fait. Ok, les tours qui passent au fur et à mesure, les cartes qui apparaissent, c'est assez sympa, ça. Ok, donc en fait, nous, on passe notre tour pour se protéger. Et après, on ripostera. D'accord. Oh mon dieu, ça fait mal. Ça fait très mal. D'accord, au niveau de la riposte, ça riposte pas tant que c'est pas à portée. Je vais rester sur cette organisation pour le moment. Parce que c'est ce qui marchera le mieux à mon avis. Parce qu'il me semble qu'elles ont un peu plus d'initiative que moi. Oh, ça fait mal. J'aimerais voir moi... Ah non, j'ai 17 initiatives en fait. Ok. Vengeance, ça fait du bien. Ça, ça fait vraiment du bien. Voilà. Adios, amigos. Donc, j'ai eu un niveau pour mon héros. Du coup, je vais pouvoir faire ma quête dans les ruines. Quoi qu'on a 28 minutes, donc je ferai ça certainement. Ça. La vision. Oh. Ah ouais, ça c'est pour le... Ça c'est vraiment pour la ville. Et la plupart des trucs sont pas implémentés. Donc là c'est vraiment une branche qui ne m'intéresse pas. Là aussi c'est en cours. Oh, c'est joli ça. Ça, ça réduit le coût en brume de l'armée. Ça, c'est pour les villes. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Putain, ça donne plus 5% en tout à chaque niveau, quoi. Sauf le 3, ça donne 10% en plus. Donc au final, on se retrouve avec 20%. Donc là, ici, le Cold Operator, ça nous donne pas d'effet négatif de l'hiver. Immunité sur les réductions de nourriture et de brume. Et par ici... Ok. Oh mon dieu, vas-y, je continue sur cette branche. Ici, il n'y a qu'un niveau. Ici aussi. Ici, il y en a 3, vu l'attaque que je prends. Ranging Battle, donc ça, c'est pas pour tout de suite. C'est en construction. Et là, c'est les critiques. Ok, je prends. Ça me plaît bien, tout ça. Très bien, alors, ici, on est en train de faire une armée de plus. Donc là, on en aura 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Oui, il me manque un archer.
marché qu'on va mettre là. Donc ensuite on fera l'extracteur. Et après l'extracteur, on va mettre ceci. D'accord. Et on va attendre qu'ils finissent ça parce que je voudrais faire une armée de tier 2 après. Mais avant de m'y engager, je voudrais avoir une deuxième armée tier 1. J'ai avancé, j'aurais pas dû, parce que je voulais voir ma quête. Les ruines étaient par là, je crois. Elle est là. 6 tours, merveilleux. Allez, oh punaise, attendez, j'ai perdu mon curseur. Fin de tour, et en fait non, on va s'arrêter là. Encore une fois. Alors je vais faire avancer mon armée quand même. Encore une fois, je ne vois absolument pas passer le temps sur ce fichu jeu. C'est pas possible. Ok, mes archers ont pris un niveau, c'est cool. De toute façon, moi ça ne me fait rien. Alors par contre là, est-ce qu'on peut assimiler cela en même temps? Ah non, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est pas avantageux du tout. Du coup, alors attends, vous êtes en guerre froide, on est en guerre froide. D'accord, ici on retrouve les mêmes onglets. Alors si je fais ça, je te dis merci. Non, ça va rien faire. Merde. Attendez, je veux voir si ça bouge. Ah, on peut pas essayer de toute façon. En bas, ça ne bouge pas. Ah, oh, zut. Ah oui, d'accord. On va le faire, et tant pis, on va gaspiller 5 points, juste pour voir si ça fait quelque chose. Les gens sont heureux. 3 tours. Je vais quand même passer un tour supplémentaire pour voir juste si ça me met une notification, quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. On va continuer... Waouh! Je veux! Ah mais ça coûte 80, d'accord. Ah mais c'est pour ça, ça marchait pas. Il fallait 30 et pas 15 pour avoir le premier truc. Ah d'accord. Bon on va prendre ça, tiens. 32 réduction, hop. Voilà. Ah punaise. Du coup, ouais. Alors ici, c'est fait. Play. Oui, bon. Ok. Toi. Carrément. Tu me fais une déclaration de guerre alors que je te dis merci. Très bien. D'accord. C'est cool. C'est super cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc là j'ai deux trucs en guerre. Eh bien écoute, d'accord, si tu veux la guerre, tu vas l'avoir. Hein. T'inquiète pas, je m'y prépare. Et moi, je me prépare à vous dire au revoir et à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Endless Legend avec notre petite héroïne qui est avec un arc superbe. Et nous allons partir à la guerre sur cette magnifique carte. Regardez-moi comme c'est beau. C'est super beau. Bref, allez, je vous fais de très gros bisous. Et à la prochaine, bye bye!